6. Ok, pourquoi pas. Tout ça pour lancer la mission 6. What? Bon bah écoutez, salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Devil May Cry 3. Sur PS3. Donc on attaque un direct lien familiaux. Pardon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord. Et? D'accord, on m'en montre une carte. Non, c'est moi qui me tombe de tout choquer ou bouge avec le joystick. Ok. Bon, malheureusement, Joanne, il peut pas regarder. J'espère que dès la semaine prochaine, ce sera réglé le problème. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? D'un regard perçant, la statue de déesse fixe la porte d'entrée. C'est très clair. Ouh, Acidella, hello. Du coup, bah salut, j'espère que tu vois correctement le live. Parce que tu m'avais dit que sur Twitch, pour toi, c'était pas top. Alors attendez, je voulais essayer de changer d'arme. Comment j'accède au menu? Statue. Quick, c'est de retour. Hello. Bisous Soso, je t'aime bien et j'espère que tu nous aimes aussi. Oui. C'est pas ça que je veux, moi je veux les armes. Les armes au corps à corps. What? Attendez, je suis un peu perdu là au niveau des commandes, c'est bon. Alors à la place du Nunchaku... Attendez, j'ai pas accès pour modifier. Mais... Ah non, c'est avant, mince. C'est avant le début de la mission qu'il faut modifier. Je voulais essayer la nouvelle arme, j'ai oublié. Bon bah tant pis, désolé pour le petit cafouillage. C'est reparti, on va aller voir par là. Salle des trois épreuves. Alors je ne sais pas si je peux modifier les armes ici. Ça lag pas. Ok, bah apparemment les gens sont assez contents à part... à part Johan. On va essayer Agni et Rudra. On va voir ce que ça donne. Soso baisse un peu la qualité, ça bug un peu. Je peux pas baisser plus que ça, parce qu'après on passe en 360p et ça commence à devenir dégueulasse. Donc désolé. De toute façon, normalement, si je suis accepté en tant que partenaire Twitch, hein, dès la semaine prochaine, la question ne se posera plus. Ok, on va essayer un peu cette arme-là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Surmonter une épreuve est insuffisant. Surmonter deux épreuves ouvre des horizons. Surmonter toutes les épreuves permet de trouver l'accomplissement. Ok, acide aussi, ça bug un peu par moment, mais on fait avec, ok. Le Clash of Clans, toujours pas. Pourquoi Johan n'est pas content? Parce qu'il ne peut pas regarder le live avec sa connexion. Votre sagesse sera mise à l'épreuve dans la salle qui vous attend. Utilisez votre expérience du bébé qui rampe à l'homme qui se tient debout, puis au vieillard qui s'appuie sur sa canne. Quoi? Utilisez votre expérience? Mais ça, c'est une énigme connue, ça. J'ai pas tout à fait compris, on va aller voir. C'est un petit peu chelou, là. Du Call of Duty, oui, je sais pas si tu poses la question sérieusement, mais... Je ferai peut-être du Black Ops 3 avec Asnes et Johan. Alors, attendez, oulala. Il y a des sphères. Donc, nous, on vient de la salle avec une sphère. On va aller là où il y a deux sphères. Épreuve de la sagesse. Putain, je sais plus jouer moi, oh là là. D'accord. Ça va bien revenir. Alors la portée a l'air assez courte hein, pour cette arme. Surtout j'ai rien débloqué. Ah quoi que si, il y a déjà un dash. Apparemment. Si. Hop, ces ennemis relous, on s'en souvient encore. Ah, dash raté. Ah, merde, raté tes coups, Dante. Dante. D'accord, je place le dash dans le vent. GG à moi. Aïe, on m'agresse. C'est pas gentil, hein. Putain. Et c'est quoi là l'épreuve? C'est juste du combat et... Je présente ça comme une énigme, mais en fait... Oh putain.
Mais on voit pas les ennemis arriver. GG. On bourrine. Arrête de bouger, Trouduc. On va repasser un peu à l'épée peut-être. L'arme de base. Hop. Bon, ça change pas grand chose au final. Hop, hop. Merde, coup des stocks mal placés. Sweet, je veux pas le perdre. Putain, on a retouché. Mais c'est pas vrai. Hop, les statues vieilles. Il faut qu'ils en mettent plus des ennemis là, il y en a pas assez. Je crois qu'on arrive au bout. Aïe. Putain. Heureusement, ils redonnent de la vie. Mais quand même. C'est relou. Voilà, transcendant en statue. Hop. Idem pour toi. Sweet. Alright. Je veux du Hess. Hess pour finir. Non, même pas. Déception. Alors, vous allez sur Epic Cube, ok, bah amusez-vous bien. Alors attends, oula, qu'est-ce que... Quoi ? C'est un pain au chocolat qui rencontre un croissant et qui lui dit « Hey, pourquoi tu es en forme de lune, toi ?» Oh, je t'en pose des questions, moi. Est-ce que je te demande pourquoi t'as une merde au cul ? Merci beaucoup. Blague de qualité. Bon, du coup... Du coup, on n'a rien ouvert du tout. What ? Là, c'est pour revenir en arrière. Alors, attendez. Là, pour l'instant, c'est pas clair du tout. Oula. Alors, faut analyser le texte, peut-être. Du bébé qui rampe à l'homme, qui se tient debout, puis au vieillard qui s'appuie sur sa canne. Mais ça n'a pas de sens. Je comprends pas. DMC 3, best DMC. Bah je ne sais pas encore. En tout cas, mieux que le 2, ça c'est sûr. Et mieux que le 1 pour moi. J'attends de refaire le 4 pour m'exprimer. Alors je comprends pas le lien entre l'énigme et les portes là. Parce que le bébé c'est à 4 pattes. Ah attendez. Bébé 4 pattes. Ensuite à l'homme, 2 pattes. C'est que j'ai pas pris le temps de réfléchir, surtout. Et le vieillard, 3 pattes. Avec la canne. Hop. Ça devrait être ça. Eh ben oui, c'est ça. En fait, c'est tout simple. Et donc, on obtient une essence d'intelligence. Connaissance impalpable des anciens. Offrez-la à la déesse pour ouvrir une nouvelle voie. Ok. Et on se tire, je sais pas, au pif. Coucou Soso, salut Angel. J'espère que tu vois le live correctement. So, moi je garde le son du live toujours avec toi. Ok, merci. Bon, en fait c'est bien Twitch, mais avec une bonne co. Bah, c'est pour ça que je vais être partenaire, hein. Comme ça ce problème ne se posera plus. Tout le monde pourra regarder le live en pouvant baisser manuellement la qualité. Alors, vos techniques seront mises à l'épreuve dans la salle qui vous attend. Triomphez des obstacles pour sauver votre avenir. Ok. Là c'est pas très clair. Du combat de base, j'ai l'impression. Aptitude. Non, pas des trucs d'agilité. What? Le live sans fluide et sans problème, ok. Bah même moi, le retour est mieux que sur YouTube. Alors attendez, là, faut que je me concentre. Surtout que le jeu est moyennement maniable. Putain. Attendez, c'est pas un truc fixe, là, ils sont sérieux? Ou alors c'est des boucles beaucoup plus grandes. J'en sais rien. Ah. Ah. Putain. Comment je fais là? Je fais rien du tout, d'accord. Merci beaucoup. Et si je me fais toucher, game over ou comment ça se passe? Hop, c'est passé, nickel. Deuxième épreuve réussie. Essence de technique. Technique redoutable des anciens. Ok. Faut faire le retour maintenant. Oh, bien sûr. C'est trop simple. Forcément, faut qu'il y ait du combat. Sinon, c'est pas drôle. Ah, il m'a touché. Saleté, ouais. Vous bougez-vous.
Qu'est-ce qu'ils font? Calmer mon coco là. Je sais pas trop ce que c'est comme démon ça, on dirait des démons de sable. Non, je peux pas t'emmener en l'air toi? Ah merde, c'est quoi cette arme? Je peux pas les emmener en l'air. J'ai déjà le dash mais je peux pas les emmener en l'air. C'est bizarre. C'est l'inverse des autres armes. Donc il va falloir l'améliorer. Surtout que j'ai du fric, faudra prendre le temps de le faire. Bon, merci. Il y a encore quelqu'un ou pas? Si, il y a encore quelqu'un. Alors attendez. Je vois que d'arbres. Salut Soso, hello. En fait, je commence à préférer Twitch pour les lives. Ah ben, faut se mettre d'accord. D'accord, le mec, je l'ai tué au flingue, ok. Par contre, c'est normal que quand j'arrive sur le live, je dois attendre 2 minutes avant de pouvoir parler. Non, je ne crois pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours une pub de 30 secondes que tu ne peux pas passer. Ça, c'est chiant. La pub est vraiment imposée, contrairement à YouTube, où c'est relativement optionnel. Alors, votre cœur de guerrier sera mis à l'épreuve dans la salle qui vous attend. Allumez tous les blasons pour éteindre la rage de l'esprit maléfique. Ok. Et Acid Bug. Ah putain. Alors Acid, je sais pas si t'as entendu mes explications, mais en fait je cherche à devenir partenaire Twitch pour que les gens qui regardent le live puissent régler la qualité. Mais ça, voilà, vu que je remplis pas leurs critères de base, en gros ils vont regarder mes archives pendant 7 jours pour voir s'ils décident de m'accorder ou pas le partenariat. Ce qui permet après aux gens de baisser la qualité. Parce que là, c'est en 480p pour tout le monde. Attendez les cocos, là, on va se calmer, là. Alors, j'ai pas compris, je dois m'occuper des portes ou m'occuper des ennemis, là? C'est pas clair. Pas clair du tout. Allez, on va brûler un coup. Apparemment, elle est quand même beaucoup plus bourrine, hein, cette arme. Allez. En jouant avec les esquives. Aïe, aïe. Et voilà, j'ai vu le coup venir. Hop. Même de mon côté, par contre, Twitch, dès que je lance le live, ça se lance tout de suite. Alors que YouTube, il y a toujours un décalage d'au moins 30-40 secondes avant que ça démarre. On voit bien que YouTube, ils sont pas au point là-dessus. Hein. C'est malheureux, mais... Pourtant, j'ai été patient. Hein. Alors, attendez, on va essayer d'actionner la deuxième porte. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il y en a une troisième? Bah non. Bah, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il faut les tuer pendant que les portes sont activées? Est-ce que ça n'a aucun... Merde, il y a le mec qui va péter. Bouge, 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 bouge. Voilà, parfait. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, mais non, mais il y a un truc à faire là, c'est pas possible. Putain, je me fais bourriner, GG. Aïe! Arrêtez! Putain, bouge. J'essaie de réactiver la porte, mais j'ai pas compris le but de la salle. Là. Oh putain. Mais non, mais. Je vais mourir? Lui, il meurt pas là? Putain. Ah, c'est seul... Non mais je vais crever. Je vais crever. Je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Ah, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas compris le but de la salle. C'est embêtant. J'ai plus de vie. Donc, pas de pattes dans ces conditions. Et puis il n'y en a pas un qui redonne de la vie bien sûr. Et merde, il m'a eu. Bon, bah j'ai pas compris ce que je dois faire. Continuer, oui. Alors, la solution Adbox Plus. Ouais, mais du coup ça me fera pas de revenus moi quand je pourrai toucher des revenus via Twitch. Alors votre cœur de guerrier sera mis à l'épreuve dans la salle qui vous attend. Allumez tous les blasons pour éteindre la rage de l'esprit maléfique. Bah, j'ai allumé les deux, ça a rien changé. Je n'ai pas tout à fait compris. Salut. T'as follow? Bah écoute, merci à toi. Papsec. Soso, pour devenir partenaire Twitch, te demande quoi? Alors, les deux critères de base, c'est soit faire 500 visionnages en moyenne,
Donc là, ils acceptent direct. Soit tu viens de YouTube et tu as une chaîne de 100 000 abonnés avec en moyenne 15 000 vues par vidéo. Ou alors tu fais comme je suis en train de faire, c'est-à-dire tu fais la demande et pendant une semaine à 10 jours, ils vont regarder ce que t'as fait sur Twitch. Donc voilà, je compte là-dessus du coup. C'est pour ça que je fais quasiment tous mes lives sur Twitch maintenant. Comment on baisse la qualité, t'as dit ? Pour l'instant, on ne peut pas justement, tant que je ne suis pas partenaire. Alors vu qu'il a des problèmes, je ne sais pas s'il m'entend. Vu qu'il a des problèmes de co. Donc faut attendre que je sois partenaire pour pouvoir baisser la qualité. Bon alors j'ai pas trop compris, on va essayer de réactiver à nouveau les deux portes. J'avoue que c'est pas clair là. Pas clair du tout. Surtout qu'ils viennent me faire chier. Laissez-moi tranquille, bordel! Aïe! Je viens vous bourriner, moi. Mais c'est moi qui vous bourrine, bordel. Dégagez! Voilà, ils sont trop proches. Hop, on dégage. On va essayer d'actionner l'autre. Je vois pas la différence. Voilà, j'ai activé ça. On va essayer d'activer l'autre et de les tuer. On verra ce que ça donne. Ok. Ça pop encore. Ou alors ils sont plus forts quand les blasons sont allumés. Sont éteints, je veux dire. C'est pour ça que je suis mort tout à l'heure. Parce que je les ai laissés éteints. J'en sais rien. Ok, on peut pas l'allumer plus que ça. Hop hop hop. Ah, ils sont devenus violets. Non, mais c'est ça en fait. J'avais mal vu. Mais ils passent en mode vénère. Ok. En gros, j'ai compris. Putain, faut retourner de l'autre côté. Bouge, 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 bouge. Ouh, c'est impratique de faire ça pendant qu'il y a des ennemis qui te bourrinent par derrière. Voilà, c'est bon. Ils sont plus énervés. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Depuis quand tu fais ça, mon gars? Allez, ça a l'air du décès. Oula, c'est quoi ces mecs là? Aïe. Ils paraissent bien grands. Aïe, mais préviens! Hop, hop. Et merde, ils sont devenus énervés. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et bien sûr, ils se téléportent directement, tant qu'à faire. Alors, il y a un commentaire en anglais. What? J'ai pas compris. J'ai l'impression que c'est du spam peut-être. Salut, j'ai que le chat. Ah, Asnez. Hello. Dites-lui bonjour pour moi s'il vous plaît. Hop. Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Hop. Ok, c'est passé. Quoi? Alors attends. Why don't you put a banner for gold mine, bro? Gold mine, je ne sais pas ce que c'est. Massive income for streamer, lol. Quoi? J'ai pas compris. En tout cas, il y a un lien, donc ne cliquez surtout pas sur les liens que les bots mettent. De toute façon, les liens sont effacés automatiquement, normalement. Je l'ai désactivé ça. Asnez est en dépression. Wow. T'es sérieux, là? Ok, bah le gars, je l'ai bloqué pendant 10 minutes. S'il revient, je le banne. C'était sûrement de la pub, hein, de toute façon. Donc ça, c'est fait. Essence de combat. Donc sur Twitch, on subit même de la pub avec seulement 11 visionnages. What? Il s'est fait bannir du PlayStation. Bah ouais. À cause d'un abonné de Sorator. Pourquoi il dit ça, lui? Punaise. Oh. Donc c'est bon, on a les 3 essences. Allez. Coucou Sora, salut Guigui. C'est bien Guigui de YouTube ou... C'est bon, on a les 3 essences normalement. Hop.
Et donc le troisième. Apparemment, c'est censé nous aider davantage. Artemis, arme venue du monde des démons. Elle tire des flèches chargées d'énergie démoniaque. Alors attendez, ouais, je peux pas changer d'arme tout de suite. Parce que là, j'ai quoi? J'ai le fusil à pompe. Finalement, je m'en suis même pas servi depuis le début de l'épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis le juge du combat. Seule l'arme des flammes peut me briser. Donc ça va être ça. Hop. Sora, reviens sur YouTube, please. Ça bug moi en fait. Ah putain. Acide, je te demande une semaine. Une semaine pour voir si je peux devenir partenaire Twitch. Je te demande juste ça. Putain, ça me fait chier parce qu'il est là quasiment tous les jours. Ah putain. Ce machin, ça met 15 ans à s'éteindre là, c'est normal. Hop. Ok. Ouais, donc Acide, si tu m'entends, je te demande juste d'attendre d'avoir ma réponse pour le partenariat Twitch. Non, c'est Guigui en abonné. Ah, donc j'ai plusieurs Guigui en abonné. D'accord. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, reste sur Twitch, please. Ok. Ok, mais Twitch, j'y resterai que si on m'accepte le partenariat. Hein. Si Twitch le refuse, je retourne sur YouTube. You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Ok, mission réussie, finalement ça a été assez court même si j'ai un chouïa bafouillé. Du dé quand même, d'accord, c'est censé être plus court que ça, ok. Ouais, du B, bon bah c'est dans la moyenne. On va sauvegarder. Alors du coup Asnez, il veut pas participer au live sur Twitch. Mais de toute façon pour l'instant les lives qu'on fait en commun, je pense que je vais les laisser sur YouTube. Hein. Quand on fait des sessions mini-jeux... En tout cas, enfin, je sais pas, on en reparlera, Asnez. Il faut qu'on en parle. Sélection de mission, non, de suivant directement. Hey, Solarus. Solaris, pardon. Salut. Hello. Alors, je sais pas si on joue avec elle parce qu'elle est ultra stylée, je trouve. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you. And you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Ok. Personnalisation, oui, on va essayer la nouvelle arme. Alors Acide ne voit plus le chat. Oh là là. Punaise.
C'est assez chiant, ceux qui ont une connexion assez faible. Faudra attendre une semaine, voir la réponse de Twitch. En espérant que ça se passe bien et qu'après, tout soit nickel. Alors du coup, je suis assez fan de la nouvelle arme, Agni et Rudra. Je pense qu'on va la garder. Faut juste que je regarde si je peux l'améliorer, notamment pour envoyer les ennemis dans les airs. Mince. Qu'est-ce que j'ai foutu là? C'est où qu'on achète les améliorations? Action, pardon. Donc là, c'est Agni et Rudra que je veux. Ça, c'est pour envoyer en l'air, je suppose. Oui, c'est ça. On va l'acheter pour 7500, oui. Le dash avant level 2, ou ça, qu'est-ce que c'est? Le double saut. Ça coûte assez cher, surtout que je l'ai sur l'épée, je crois. On va plutôt débloquer le level 2. Hop. Parce que le double saut, il me semble que je l'ai acheté hein, pour... Ah non, pas encore, merde. Haha. Bon. Re-Soso, Re-Angel. Bon bah, si, je sais pas si tu m'entends. Désolé si ça bug pour toi. Allez, mission 7, on attaque. Le couloir sombre. C'est quoi cette arme? Elle est chelou. J'ai l'impression que c'est comme le gun. Ah oui, mais c'est beaucoup plus lent, d'accord, en fait, ça n'a rien à voir. On va quand même la garder, je pense que ça fait pas mal de dégâts. Salle de l'ascension céleste. Que... Ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok. En train de remonter. Alors du coup, la fille, ça doit être une chasseuse de démons. Mais j'ai pas encore trop compris qui c'était. Vie de noir. Bon, je me balade complètement au pif, là. Je sais pas où je vais. Couloir des deux squelettes. Quoi, c'est des ennemis, ça? D'accord, ennemis de qualité, apparemment. Qui ne vont pas en l'air, ok. On va essayer le gun laser. Ouais, qui est très très lent. Voilà, dégagé. Hop, hop. Alors sur Twitch, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur Devil May Cry. Donc c'est pas facile de te trouver. Bah écoute, j'ai plus d'audience que la semaine dernière déjà. Donc, sachant que Joanne n'est pas là. Donc. Alors est-ce que c'est parce que plus de gens ont suivi vu que j'ai annoncé que j'étais sur Twitch? Aïe, du coup je regarde pas ce qui se passe. Et puis tout à l'heure sur Super Mario Maker, mon boîtier a renommé le salon. Du coup, il n'était pas référencé dans Super Mario Maker. Donc j'ai eu que des gens qu'il y avait sur YouTube, en fait. Personne ne pouvait me trouver en cherchant Super Mario Maker sur Twitch. Donc j'ai fait une boulette, du coup, faut que je vérifie ça avec mon boîtier. Sinon, il faut que je renomme à chaque fois. C'est un petit peu chiant, mais bon. Il y a peut-être moyen de corriger ça. Putain, mais mourir, là. J'ai fait deux dash arrière, ça sert à rien. Merde, je pensais qu'il allait mourir avant. Bon, j'ai quand même pris cher parce que je les ai pas pris au sérieux et j'ai pas fait attention. Alors, sur Twitch, oui. Ta-ta-ta. Fiasco est parti manger. Ok, merci. Quand tu feras Minecraft sur Twitch, ça sera au calme. Bah, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure avec Floridark. Je pense que... Enfin, pour l'instant en tout cas. Tout ce qui est Minecraft PC avec Johan et Asnez, ça reste sur YouTube. Ce que je vais faire avec Floridark, ce sera plutôt sur Twitch. Alors, un pilier de pierre orné de crânes. Un pilier identique se trouve à droite. On dirait qu'il manque quelque chose. Ouais, donc faut récupérer l'espèce de sphère bleue. Hop. Parce que ce que j'aime bien sur Twitch, c'est que tu as les jeux qui fonctionnent bien directement proposés, en fait. Ça, je trouve ça assez sympa comme option. Une étoile de vie, parfait. Du coup, oui, tu peux savoir quels jeux sont à la mode. Mais c'est vrai que Devil May Cry... je pense pas vraiment que ce soit au top. Alors, mes sous avec Twitch, tu vas
va beaucoup monter en abo. Ah bah je sais pas. Alors attendez, normalement il y a des ennemis, mais je vois rien. Non, il y a du rouge. Virus qui dit du caca pour le live mystère, ok. Ça reste mystérieux. Demain 14h sur YouTube. Il se bat avec un sarcophage. Qui libère des esprits. D'accord. Pourquoi pas. C'est pas chelou du tout. On peut pas les arrêter. Je sais pas. C'est quoi ces machins là. Je sais pas du tout comment les approcher. On va essayer de les éliminer ces machins là. Ils ont l'air bien chiants. Aïe 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 aïe. C'est bizarre ce qu'il fait, hein. Ça m'attaque pas là, l'espèce d'esprit qui libère. Peut-être que si ça me touche, ça fait des dégâts, je ne sais pas. Allez, on bourrine. On peut pas les envoyer en l'air, putain. Aïe, le coup retour, d'accord, merci. Ce fut agréable. Merde, ils viennent pas avec nous quand on part dans les airs là. Ils sont relous. Et viens, je tombe. Aïe, combo, au secours. Là, j'ai pris cher. Faut se ressaisir. Mais d'où tu viens pas avec moi, toi? D'accord, ils sont morts. Ok. Je le suis depuis ses débuts. Ouais, Angel. Alors, du coup, on a débloqué un item, je crois. Hurlement de sirène. Peut calmer les flammes les plus féroces. Bah, ça a pas l'air de ressembler à ce qu'on a vu de l'autre côté. Même si c'est de la même couleur. Quoi? Une journée sans soso, c'est comme un couscous sans merguez. D'accord, merci. Ça marche avec ça? Oui, apparemment. Non. Bah. Ça veut pas... Showtime, allez, on y est presque, là. Putain, on a perdu. Ouah, bah laisse tomber, hein. Oh là là, c'est bon. J'ai passé presque une minute, là, c'est n'importe quoi. Oh là là. Ce soit un jour quand tu auras genre 5000 abonnés. 50 000 abonnés, tu m'oublieras pas. Bah c'était toujours là, non. Après si tu viens plus pendant plusieurs mois, je ne sais pas. Après non, je pense qu'il y en a certains dont je me souviendrai. Un panneau de contrôle d'ascenseur. Il n'y a pas assez d'énergie pour l'activer. Ouais, d'accord. J'ai pas tout à fait compris. Et je fais quoi alors? Je fais rien du tout. Ok. Bon, d'accord. Hop. On ressort de là, je ne sais pas. Bon, on va essayer d'aller placer le truc bleu peut-être. Je milite pour qu'il ait son nom de rue. Oui, bien sûr. Mon dieu. Mais c'était pas un crâne que j'ai récupéré. Bah non. Attendez, oulala, ça y est, je commence à ne plus savoir quoi faire. Objet. Hurlement des sirènes. Peut calmer les flammes les plus féroces. Je reviens. Désolé, ce retard, bah écoute, à tout à l'heure. Alors bon, désolé, ça bug trop pour moi. Sora, ouais, désolé pour toi, Acide. J'espère que d'ici une semaine, ce sera bon. Bref, salut Sora, salut le live, je retenterai demain sur Twitch. Bah, c'est pas cool parce que ouais, tu passais tous les jours. Bon, faut se dire que voilà, c'est le temps de voir si je peux être partenaire. Et après, il y aura plus de problème. Bon, du coup, je fais quoi là? Je ne sais pas, parce qu'en bas y a rien là.
C'est juste un mur. Regardes-tu les lives d'Angel? Non. Je regarde que très peu de lives. Je regarde que Benzaï en live. Que j'ai connu grâce à nos lives d'ailleurs. Ah, une autre statue d'ange se dresse ici. Ça signifie... Cassion reste mystérieuse. Ok, on va les voir en face. Ouais. Si je regarde un peu Floridark, je l'ai regardé deux fois en live. Sur Soma et sur Minecraft. Mais bon, mes lives à moi, ça me prend déjà énormément de temps. Vu que bah, j'y joue quasiment... Enfin, dès que je joue, c'est en live, enfin... Ok, bon, je ne sais pas ce que je dois faire. GG. T'inquiète, les citrons vont bien. Ouais. Bah oui, mais tu pourras plus nous en parler pendant une semaine, là. Crotte. Puis demain, à 14h, lui, il bosse, donc... Bon, on va revenir en arrière, du coup. Parce que je n'ai pas trouvé quoi faire. Puis je pense que la personne ne connaît le jeu dans le chat. Soso, à quand mon serveur? Je ne sais pas, je vais essayer de prendre le temps de venir, j'ai pas vraiment eu le temps. D'accord. Hop. Bon. Ah, il y a une sphère bleue là-haut. Il faut réussir à monter. Je sais même pas si c'est possible ce que j'essaie de faire là. Non, d'accord, merci beaucoup. Ok. Bon bah tant pis, il y a une sphère bleue là-haut, mais je ne sais pas comment on la récupère. Bon, on va visiter encore davantage. Sauf que là, il n'y a rien. Je peux pas sauter, ok. Hop. Bah ton serveur, on pourrait essayer la prochaine fois qu'on fait un live mini-jeu sur Minecraft PC. Putain, mais là je reviens vraiment en arrière. Il y a un décalage de combien avec Twitch? Bah je me rends pas compte. Je dirais à peu près 10 secondes là tout de suite. Putain, faut que je redescende, non? Moi je venais pas de tout en bas, si? Non. Oh là, mais ça devient compliqué là. Il y a trop d'étages. Puis j'ai plus de vie. C'est pas cool ça. Oh putain, mais pourtant ils sont faciles à éviter, mais... Hein. J'ai du mal avec leur pattern à eux là. Bande de truc. Bande de truc. Hey. Je vous déglingue. En tout cas, j'essaye. Merde, il part chez vous. Ah, il fait quoi? Ok, bye bye, de la vie, parfait. Fragment d'Orialcon. Morceau d'Orialcon. Qui confère, de grands pouvoirs. Ok. Ok, ok. Sans partenariat, reste sur Twitch. Non, ça va être compliqué quand même. Merde, du coup, je fais pas gaffe au combat. Parce que par exemple, Johan et Astès ne peuvent plus regarder du tout. Et ça, c'est un truc qui me gêne vraiment. Pareil pour Acide. Mais je retenterai dans quelques temps, supposant que YouTube n'ait pas assez progressé pour me satisfaire. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais essayé Hitbox à un moment. Alors du coup, là, le portail s'est ouvert, mais bon, je continue. Il y a peut-être autre chose à récupérer. Je ne sais pas. En tout cas, on récupère quelques points. Mais je ne vois rien. Vous faites 50-50. Peut-être pas du 50-50, mais bon, par exemple, Final Fantasy VII, ça va rester sur Twitch, je crois qu'il arrive. Au milieu, il y a quoi? Il y a rien. D'accord, bon, moi j'ai récupéré un fragment, on va bouger. Est-ce qu'on peut pas contrôler? Ah si, on peut contrôler la caméra, d'accord, j'ai rien dit. On n'est pas dans des... on n'est pas dans God of War. Ouais, on peut la contrôler, mais vite fait. Hein. Et puis surtout, c'est inversé, ok. D'accord. Hitbox, c'est pas assez connu. Oui, si t'as pas une grosse communauté à ramener avec toi, c'est pas là que tu vas trouver de nouveaux visionneurs. Même si une fois, bizarrement, sur un live Dark Souls, je crois que c'était un Polonais ou je sais pas quoi, qui a regardé pendant 2 heures. Ça m'a vraiment surpris, mais... Voilà, quelqu'un qui a regardé pendant 2 heures. Alors qu'il me connaissait pas, il comprend très mal le français. Mais il avait envie de me regarder jouer à Dark Souls.
Un petit peu bizarre. Mais, allez, hop. Alors avant de monter complètement, on va regarder s'il n'y a pas des portes. Parce que je crois en avoir vu au moins une autre. Hop. Du coup, c'est un peu laborieux, là. Un polonais, mais je crois que c'était même pas polonais, c'était encore plus bizarre que ça. Enfin, c'était un européen, mais... Pays de l'Est, il me semble. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? Hashtag NATO. Ah oui, ça fait qu'elle est polonaise, elle. Attendez, je suis pas venu ici. Si, c'est là d'où je viens, je crois. On va vérifier. Si, si, c'est là. Ok. En théorie, on n'a plus rien à faire ici. Ça, c'est un peu chiant, la progression dans ce jeu. Elle n'est pas forcément évidente. Donc en tout cas, là, on a fait les deux portes en partant d'en bas. On va remonter petit à petit. Hop, à cet étage. Est-ce qu'il y a une porte? Non. Pas de porte, ok. Bon. On continue. Ah d'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder si sur YouTube, il y a une notification comme quoi je suis sur Twitch. Normalement, c'est censé le faire. Mais j'ai pas vérifié. Eau bénite. Parfait. En fait, il y a 7 visionnages, mais t'es la seule à parler. Ah bah, il y en a qui regardent sans être actif. Hop. Cette porte, on l'a fait, la porte verte. Alors, attendez. What the fuck, putain. J'avoue, Angel. Non, tu vois, il y a quelqu'un avec toi. Je ne sais pas quoi faire. Si ça continue comme ça, je vais devoir aller regarder sur le net. Ou alors faut vraiment revenir en arrière? Non, ça me paraît bizarre. D'accord, le dash aérien, j'avais oublié que j'avais ça. Tout va bien. Bah ça va peut-être m'aider à monter alors. Mais monte sur le mur. Hé hé. Oh non, mais tu... T'es sérieux, Dante? Putain, t'y étais là. N'importe quoi. Je retente un coup et tant pis si ça passe pas. Bon bah tant pis, allez hop. Beerus est là. Du coup, moi je fais quoi là? Je ne sais pas. Mon dieu. Ils sont revenus, on s'en fout. Pardon, pardon, pardon. Je vais que passer. Alors, le cri de sirène là ou je sais pas quoi, ça sert à quoi? Non, parce que les items normalement s'utilisent automatiquement. Et puis ça a pas la même tête, donc c'est pas ça. Putain, je sais pas. J'ai un problème. Je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai loupé un item quelque part. Soso, je te présente Papsec, mon ami IRL. Ok, bah je ne savais pas que tu la connaissais. Enfin, il ou elle, je ne sais pas. Elle, vu que t'as mis IE. Donc là, j'ai débloqué le truc de sirène. Y a rien d'autre. Ah, à moins que le fragment que j'ai récupéré me... Attends, quoi? On dirait qu'il y a un ascenseur qui descend, mais il n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Ça, c'est l'ascenseur que je n'avais même pas vu. Mais le fragment que j'ai récupéré permet peut-être d'alimenter l'ascenseur. Je dis bien peut-être. Et bah, c'est ça. Ok. C'était pas évident le lien entre les deux, mais bon. Finalement, on progresse. Allez, go. Ok. 400 ans plus tard. Je lui disais tout le temps, va voir sur YouTube, ce retour est trop cool. Eh ben écoute, merci. Merci beaucoup. Alors attends, là je suis revenu au début là.